Un seul titre à la une ce soir. La variole de singe est-elle en circulation dans la ville de Kinshasa? La population est-elle protégée contre cette nouvelle épidémie? La réponse dans cette édition du journal. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h. On commence tout de suite par la cité de l'Union africaine où le président de la République s'est entretenu avec une forte délégation de l'Union européenne. Madame Maro Kolish, elle est chef du département Afrique centrale au service européen d'activité extérieure. C'est à ce titre qu'elle a été reçue ce jeudi 16 juin par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le point avec Kibamoui Somouissa. C'est au terme d'une mission d'une semaine à Kinshasa que Madame Odé Mario Kolish, chef du département Afrique centrale au service européen d'action extérieure, à la tête d'une délégation pluridisciplinaire travaillant dans les différentes institutions de l'Union européenne, est venue rencontrer le président de la République à la Cité de l'Union africaine, conduite auprès du chef de l'État par l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Châtaignier. La délégation est venue se mettre à l'écoute de la situation d'insécurité dans l'est du pays. Une visite avec une équipe pluridisciplinaire de collègues qui travaillent dans les institutions de l'Union européenne à Bruxelles, mandatés par les 27 pays membres de l'Union européenne pour envisager, écouter, savoir ce qui se passe dans l'est de la RDC, pour envisager comment l'Union européenne peut renforcer son engagement pour aider à la stabilisation. C'est une mission qui a coïncidé avec les événements récents. Elle était prévue avant ces événements, car on sait qu'à l'est de la RDC, il y a des facteurs et des raisons racines à la déstabilisation. Et nous voulons essayer de trouver des moyens d'accompagner le gouvernement congolais pour essayer de stabiliser la région. Le chef de l'État nous a extrêmement bien accueillis. Il est très ouvert à toutes les propositions et suggestions que nous pouvons faire. Il reconnaît que l'Union européenne a un rôle important à jouer dans le pays, qu'elle le joue déjà. L'Union européenne compte accompagner la République démocratique du Congo. Elle appuie toutes les initiatives régionales pour trouver une médiation aux récents événements dans l'est de la RDC à renchéri. Mario Kolish, chef du département Afrique centrale, au service européen d'action extérieure. Rendons-nous en province, direction Ituri, où il y a eu remise d'actes d'engagement de cessation des hostilités au gouvernement militaire lieutenant général Johnny Kachama par l'URDPC Codeco. Une remise effectuée par le mercredi 15 juin par 7 leaders de ce groupe armé lors de la restitution du dialogue intracommunautaire tenu du 1er au 4 juin dernier. Reportage. Décidément, l'heure de la paix a sonné en Ituri. L'acte d'engagement de cessation des hostilités signé par la milice Codeco bar IRDPC à l'issue du dialogue intracommunautaire Lindou a été lu par ses miliciens puis remis au gouverneur militaire de l'Ituri ce mercredi 15 juin à Bounia. Toutes les factions de ces groupes armés décident d'arrêter les hostilités et adhérer au pays de DRCS. Remercions le président de la République, son excellence Félix Tshisekedi Antoine, pour nos tendres accords la main. L'IRDPC bar Codeco est et sera toujours favorable à toutes les initiatives du chef de l'État pour restaurer la paix en Ituri. La communauté Lindou qui a restitué le dialogue intracommunautaire tenu à Réti du 1er au 4 juin dernier plaide pour une mise en œuvre rapide du programme de DRCS pour mener à bien cet engagement. De son côté, la société civile de l'Ituri estime qu'une étape importante de la pacification de l'Ituri vient d'être franchie grâce à l'administration militaire. Pour des députés provinciaux et chefs coutumiers de Djougou, le gouvernement doit accompagner cet acte d'engagement. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyan Kachama Johnny, salue cet acte d'engagement avant d'inviter le milicien Codeco à continuer sur cette voie. Il y a des gens qui vont peut-être combattre. D'autres encore vont dire, mais c'est un honneur que vous avez offert à ce général, peut-être chef de bureau, au président de l'ORI. Mais non. C'est un honneur qu'on offre à la République. Il est temps pour que d'autres groupes armés qui hésitent encore à s'engager pour la paix en Ituri puissent saisir la main tendue du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Également dans l'actualité, c'est cette marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo organisée par le Parti des Patriotes résistants Maïmaï pour combattre le groupe des terroristes M23 soutenu par le Rwanda. Ils ont par la suite remis leur déclaration à l'autorité provinciale. L'événement a eu lieu ce vendredi 17 juin dans la ville de Bukavu. Les militants du parti politique Patriote Résistant Maïmaï ont organisé une marche de soutien au FRDC ce vendredi 18 juin dans les rues de Bukavu. La marche est partie de la place Major Vangou jusqu'au gouvernorat des provinces où ils ont lu leur mémorandum qu'ils adressent au chef de l'État, commandant suprême. La dite marche a été organisée par les Maïmaï pour apporter leur soutien au FRDC et de dire non à l'agression de la République démocratique du Congo par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Dans un mémorandum lu par le président national du parti politique PRM, Ghislain Bouhindoua appelle toute la population du Sud-Kivu à se ranger derrière les FRDC en leur apportant un soutien matériel et moral. Plusieurs membres, cadres et militants du PRM ont pris part à cette marche, notamment l'honorable Anselme Enirunga. Nous avons tenu à organiser cette marche pacifique pour uniquement soutenir la démarche du président de la République afin de rétablir la sécurité à l'Est. Accompagner moralement nos forces armées et notre police dans la lourde charge qu'ils ont de bouter dehors l'ennemi de notre pays. Parlons à présent des préparatifs de l'arrivée du chef de l'État dans la province de la Chuapa. Eh bien, le gouverneur, ensemble avec les députés notables de ce coin, se sont réunis pour organiser cet événement. Pour ce faire, les autorités de cette province en ont profité pour lancer un signal fort à la population. Question de soutenir les actions du chef de l'État, Chemin Dondo. Unis comme un seul homme pour le développement de la province de la Chuapa, déterminé à la réussite de l'Union sacrée, le gouverneur Pancras Bongonkoy a réuni les notables députés, sénateurs et autres personnalités de la province pour le préparatif de l'arrivée du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ses coins du pays. Il a voulu réunir ceux de Kinshasa pour une organisation totale et réussie. Il faut que tout le monde soit impliqué. Donc je devais impliquer les cadres de l'Union sacrée résidant à Kinshasa dans le processus de l'accueil du chef de l'État. Nous sommes tous de la Chuapa et c'est là pour raffermir les liens entre filles et filles de la Chuapa. L'agression de la République démocratique du Congo à l'Est par le Rwandais n'a pas laissé indifférente l'exécutif provincial de la Chuapa. Nous avons organisé une marche de soutien au FARDC, au chef de l'État, qui est le premier FARDC du pays. Et donc, nous sommes tous inquiets de ce qui se passe là. Personne ne peut soutenir cette agression. Je suis convaincu que ça va s'arrêter parce que le chef est en train de multiplier des stratégies pour arrêter cette barbarie. Chuapa entre les mains de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, beaucoup de réalisations qui font l'émergence de cette province, deuxième président, après le président Mobutu, de franchir ses pieds dans cette province. C'est la montre, l'amour et l'affection qu'a le chef de l'État à la population de la Chuapa. Signalons que le ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Luando Mboyo, était présent en tant que fils du terroir. Pendant ce temps, de la province du Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Kabula Katou a inspecté l'évolution des travaux du site Lumumba, le centre de la ville de Lubumbashi. D'aménagement du site Lumumba situé au village Silatembo à 55 km de Lubumbashi sous la route de Likasi évolue et sont exécutés à 80%. Du 25 au 26 juin prochain, le site supposé être le lieu de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba le 17 janvier 1961 va abriter les manifestations de l'arrivée de la relique du tout premier ministre de la RDC indépendante, gardée pendant des décennies en Belgique. Le gouverneur Jacques Kabula Katou, accompagné de la commissaire provinciale en chef de la culture et des arts, a constaté que le mausolée qui va accueillir la relique de Lumumba est déjà construit. L'entrepreneur procède actuellement aux travaux de finissage du site où seront également érigés les monuments des compagnons d'infortune de Lumumba
Polo et Okito. Nous sommes déjà satisfaits de voir que les travaux sont déjà presque, on peut dire, à 85%. Et donc, les 7-8 jours qui nous restent ici vont nous permettre de complètement finaliser avec l'ensemble des travaux et recevoir la manifestation sur ces sites. C'est alors que la RDC se prépare à célébrer le 30 juin prochain ses 62 ans d'indépendance. Cet événement sera unique avec l'arrivée prochaine sur les sols de ses ancêtres du reste de Patrice Emery Lumumba, assassiné justement ici à Sida Tembo. Ahmed Kankanda, c'est le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Il a lancé à partir de la ville de Lubumbashi les missions de contrôle dans les entreprises privées, ce afin de veiller à l'application de la loi sur la sous-traitance. Les détails dans ce reportage. Le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Ahmed Kalej Kant, à la tête d'une importante délégation venue de Kinshasa, vient de lancer officiellement les missions de contrôle dans les entreprises privées pour la mise en œuvre de la loi sur la sous-traitance. En exécution de l'instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, j'annonce aujourd'hui solennellement le lancement des missions d'enquête auprès des entreprises donneuses d'ordre et auprès des entreprises de sous-traitance aussi, en vue de vérifier l'application de la loi. Cette décision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de la 56e réunion du Conseil des ministres, repercutée par le DG Ahmed Kalej Kant, est la conséquence du comportement des entreprises qui foulent au pied la loi numéro 17/001 du 8 février 2017. Portant offre, opportunités et avantages aux entrepreneurs congolais. Pour la plupart, ces entreprises privées et congolaises installées en RDC organisent les centrales des marchés en dehors de la RDC pour contourner la loi. Les appels d'offres sont faits sans aucune transparence et les dépouillements souvent à l'absence des soumissionnaires congolais. L'anglais et les chinois sont les langues exigées ces derniers temps. Les petits marchés sont réservés aux entrepreneurs à capitaux congolais, tandis que les marchés de grande valeur sont accordés aux entreprises à capitaux étrangers. Cette situation n'a pas plu le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui compte sur l'ARSP pour recadrer le récalcitrant. Le siège est le reflet de l'importance que revêt l'activité de sous-traitance dans la province du Haut-Katanga. Le DG de l'ARSP a profité de son séjour dans les Haut-Katanga pour visiter les nouveaux sièges sous la conduite du directeur provincial Gérard Bienzunga. Les constats est positif, a-t-il souligné. La visite du DG Ahmed Kalej Kant dans les Haut-Katanga a été marquée par de surprises agréables. Les agents lui ont remis une œuvre d'art en cuivre portant la forme du Haut-Katanga et une bouteille de vin, suivie des photos souvenirs. Suivez à présent les activités du ministère provincial du portefeuille dans le Haut-Katanga. Au cours de la 36e réunion du Conseil des ministres, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait instruit son Excellence Madame la ministre du portefeuille et son collègue en charge des affaires foncières d'identifier et de localiser les biens fonciers des entreprises publiques du portefeuille en vue de leur octroyer des titres de propriété. Il faut noter ici que la plupart de ces entreprises ont fait face depuis un certain temps à des spoliations et des ventes illicites. C'est donc pour répondre à cette instruction du chef de l'État que le directeur au ministère du portefeuille, Félix Bilembo, a procédé ce vendredi 17 juin 2022 à la remise des titres immobiliers à la Cominière SA, ex-Géomine, un motif de satisfaction pour le directeur général de cette entreprise publique du portefeuille, M. Athanase Mwamba, qui a dans son mot de circonstance rendu hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son implication dans les processus d'obtention des titres de propriété, lesquels permettront à l'entreprise qu'il dirige d'être répertoriée et d'avoir un statut agréé. Je tiens sincèrement à vous remercier et transmettre mes remerciements à Madame, son Excellence Madame la ministre d'État, ministre du Portefeuille. Je vous remercie. Après les Haut-Katanga,
Monsieur Félix Bilembo se rendra également à Manono et à Kalemi pour la même mission. Signalons ici que sur les 25 entreprises identifiées et localisées, le ministère du portefeuille, en partenariat avec le ministère des Affaires foncières, a déjà obtenu 15 titres de propriété. La ville de Kassandi, dans la province du Lualaba, est restée longtemps dans l'obscurité suite au vol des câbles électriques haute tension qui a fait tomber la pylône. Voilà qui a occasionné la visite du ministre provincial de l'énergie du Lualaba sur le site. On en parle avec Rodé Panda. Depuis plus de 5 mois, la population de la ville de Kassandi, dans la province du Lualaba, est restée dans l'obscurité suite au vol des câbles électriques en cuivre. La solution, c'est peut-être avec le déplacement du ministre provincial de l'énergie, Maître Pichundaï, dépêché par le gouverneur intérimaire Fifi Masuka. Il est arrivé sur place, assisté des ingénieurs de la SNEL pour s'en rendre compte. Le constat est catastrophique. Plus de 170 mètres de câbles volés par les ennemis de la patrie, occasionnant ainsi la chute des pylônes à haute tension. Sur place, Maître Pichundaï a échangé avec Madame la maire adjointe de la ville de Kassandi. À l'issue de cet entretien, Maître Pichundaï a condamné ces comportements, tout en demandant à la population de toujours dénoncer ces cas de vol pour ne pas jouer à la complicité de son propre malheur qui freine le développement. Il a promis par la suite que la solution est derrière la virgule. La société congolaise Kamwinifis, qui exécute les travaux de la mise en service de cette ligne haute tension, rassure. C'est dans ce sens-là que nous avons assuré la maman gouverneur de s'apaiser pour la réalisation de ça. La situation de Kassandi peut compter sur la bonne volonté de la maman. Et nous allons l'accompagner dans cette bonne volonté. Avant que le câble volé ne lui soit présenté par la police, le ministre provincial de l'énergie a visité les présumés voleurs de ces câbles électriques. Le poste sous tension de cette ville était la dernière étape. 10 séjours du ministre Pichundaï à Kolwezi avant de regagner son poste de travail. Toujours de la province du Lualaba, les exploitants miniers artisanaux ont envahi le site de KCC et donc le vice-ministre des Mines Godard Motemona a rassuré le caucus des élus de cette province sur un prompt retour de la paix sociale. L'honorable député du Lualaba a séjourné dans la chefferie de Bunkea. Conduite par l'honorable Mutchaïla Shimata Weber, il s'est agi notamment de vérifier l'investissement issu de la redevance minière. Sur terrain, plusieurs œuvres ont démontré la traçabilité sans équivoque à travers notamment la construction des routes, des écoles, des morgues, des centres de santé. Ceci n'a pas laissé indifférent le superviseur de cette commission, l'honorable Mutchaïla Shimata Weber. C'est là que vient maintenant notre message d'encouragement. Ce qu'on a palpé, on a quand même vu, même là où les routes n'existaient pas, la chefferie a déjà commencé à construire des routes, routes de desserte agricole bien entendu. La politique de la chefferie, c'est désenclaver les groupements au chef-lieu de la chefferie. Riche en sites touristiques, cette partie de la province du Lualaba a captivé l'attention des députés provinciaux. Ainsi, le mont sacré Nkoulou, la tombe du capitaine Botson, le cimetière royal Mounema où repose le roi Msiri Ier ont été visités à leur grande satisfaction. Je dis ceci qu'en tout cas, ça me fait plaisir comme ça. Coup de chapeau à la chefferie, coup de chapeau au roi. Ici, à Bombéa, vous la vivez l'histoire. Et donc, moi j'encourage, je félicite. Ceci rentre dans le cadre du contrôle parlementaire, nature même de la session ordinaire de mars. Les travaux anti-érosifs exécutés en 3 endroits entre Niamoukwibou et Niabigboué sur la route nationale numéro 2 par l'Office des routes du Sud Kivu vont bon train. C'est le gouvernement central à travers le FONER qui a financé ces travaux. Les travaux de lutte anti-érosive amorcés par l'Office des routes Sud Kivu sur l'effondrement d'une partie de la route nationale numéro 2 à Kambololou ainsi que le cabionnage sur l'axe routier Niamoukoubi-Tungulu-Niabiboué, ces travaux évoluent normalement. Les travaux sont financés par le gouvernement central à travers FONER. C'est dans le cadre
du programme d'entretien routier 2021, a précisé le chef de division technique de l'Office de route Sud Kivu, l'ingénieur Alain Mouganga. Avec les moyens reçus par le FONER, nous sommes en train d'intervenir sur 3 sites. Sous la mission de contrôle du bureau technique de contrôle, BTC, ces travaux ont été lancés le 23 mai dernier pour une durée de 3 mois hors intempérie. Les travaux de Kamboulou consistent à stabiliser la route par la construction des murs de soutènement. La construction également d'un caniveau, mais aussi en la pose des buses, a indiqué l'ingénieur Roger Kimpanga de la BTC Sud Kivu. Nous sommes passés au PK 98 où nous avons constaté que l'entreprise est en train de travailler, il est en train de faire les gabionnages. La stabilisation de ces tronçons routiers par l'office de route rendra fluide la circulation entre la cité minière de Nyamibwe et la ville de Bukavu, chef-lieu de la province. Le constat a été fait le mardi 14 et le jeudi 15 juin lors d'une mission conjointe office des routes qui exécute les travaux et le bureau technique de contrôle qui assure la mission de contrôle. Les usagers de cette route remercient le gouvernement congolais pour la matérialisation de ces travaux. Ces derniers alertent les autorités sur la menace de coupure de cette route sur plusieurs tronçons routiers. Et maintenant, allons-y faire un tour dans la ville de Beni, précisément à Beni-Lumbéro, où la MONUSCO vient de doter la PNC des matériels informatiques et des détections des engins explosifs. La dotation de ces matériels à la police nationale congolaise de Beniville et territoire par la section UNPOL de la MONUSCO s'est déroulée devant plusieurs autorités de l'État ainsi que de la MONUSCO. Ces matériels constitués des ordinateurs, imprimantes et détecteurs des engins explosifs vont répondre à l'amélioration de la qualité du travail de la police, a indiqué la chef de la MONUSCO Beni-Lumbéro, Cécilia Piazza. La MONUSCO, par le biais de sa composante police, s'inscrit également dans cette même logique pour apporter un appui multidimensionnel à son partenaire, la PNC. Un sentiment de satisfaction des côtés des bénéficiaires. Le maire de la ville de Beni, en sa qualité du président du comité urbain de sécurité, le commissaire supérieur principal Narcisse Moutebakachalé, a indiqué que ces matériels viennent renforcer le travail de la police, non seulement dans leur bureau, mais également dans le cadre du contrôle des engins explosifs dans les pochons de la ville, pour la sécurité de la population. Avec les matériels que nous venons d'encaisser aujourd'hui, cela va nous permettre d'être efficace sur le terrain et surtout de pouvoir contrôler les entrées et sorties de la ville de Beni. Il a été invité par un consortium des entrepreneurs originaires de la province chinoise de Shanghai. Il est donc à la recherche des opportunités d'investissement de la province du Kwango. Il s'agit du gouverneur Jean-Marie Petit-Petit qui vient de séjourner dans la ville de Luanda en Angola. Les détails avec Grace Maosso. Investir en République démocratique du Congo et surtout dans la province du Kwango, dans le secteur du transport, notamment dans les infrastructures de base, les routes, autoroutes, chemins de fer, aéroports, logements sociaux et autres. C'est le vœu émis par les entrepreneurs chinois au cours de leur entretien avec le numéro 1 de la province du Kwango, Jean-Marie Petit-Petit-Amata, qui a effectué une mission officielle dans la République sœur d'Angola à Luanda. À son arrivée à l'aéroport du 4 février de Luanda, Jean-Marie Petit-Petit a été accueilli par Messeli, président des associations des entrepreneurs originaires de la province chinoise de Shanghai œuvrant en Angola. Ces Chinois tenanciers de plusieurs sociétés travaillent depuis plus d'une décennie en Angola dans plusieurs secteurs. Cette entreprise qui est déjà opérationnelle à l'Angola et qui fait déjà ses preuves dans ce pays en matière de construction des infrastructures de base. Le ministre provincial de l'énergie, mines, ressources hydrauliques, Blaise Inana, a profité de cette occasion pour présenter la carte postale du Kwango. Une séance qui a permis à l'auditoire d'accepter de mettre à la disposition dans un bref délai plusieurs opportunités, notamment dans la construction des infrastructures routières. Rapatriement des reliques de Lumumba, l'heure est au préparatif pour l'accueil de ces restes du corps du tout premier Premier ministre de la RDC.
C'est dans cette optique que le maire de Lumumbaville a tenu une réunion avec le conseil de sécurité de la ville pour transmettre les instructions de la hiérarchie et s'assurer de la paix qui doit régner durant toute la période de manifestation. Rodé Panda nous en parle. Son arrivée à Lumumbaville, Madame le maire Micheline Ayaki Anjadumu tient un conseil de sécurité à l'ISP Wembonyama avec les bourgmestres des communes, le commandant de la police ainsi que le directeur de la DGM pour renforcer et améliorer la sécurité dans la ville de Lumumba. Nous avons tenu une première réunion de sécurité pour savoir où ça... Mais de toutes les façons, j'avais déjà reçu les informations, mais il fallait quand même qu'on se voie en live. Elle a reçu ensuite tous les notables de la commune de Wembonyama, les chefs coutumiers des différents villages, la délégation des handicapés ainsi que les représentantes des femmes du marché Wembonyama. Puis elle leur a rendu visite au marché pour voir l'état du marché. Observons d'abord les préparatifs des dépouilles de Lumumba qui arrivent déjà pour la semaine prochaine et d'autres problèmes nous les serons plus tard, bien entendu. Les élèves du complexe scolaire Passo ne sont pas restés indifférents, sont venus souhaiter la bienvenue à Madame le maire accompagnée de leur directeur et quelques maîtresses. Sketch, poèmes et discours présentés devant le maire de Lumumbaville. Congolais, Congolaise, combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. L'indépendance du Congo, si elle a proclamé aujourd'hui, à la tête avec la Belgique, un pays ami, à qui nous traitons avec un égal à égal. Ni le Congolais, digne de son nom, ne pourra jamais oublier que c'est à la lutte qu'elle a été conquise. Que vive le Congo indépendant. L'indépendance du Congo n'est pas un cadeau pour la Belgique, mais c'est un droit fondamental du patron Saint-Méry. Madame le maire a aussi visité l'église méthodiste de Wembonyama, où elle fut croyante depuis son enfance. Deux grandes questions à l'ordre du jour au cours de la séance plénière à l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui a débattu sur la maladie infectieuse émergente causée par un virus transmis par des animaux infectés, le plus souvent des rongeurs, appelés la variole du singe. Les précisions de Mesdames Wiel Mangal. La ville de Kinshasa représente un vaste marché de par le nombre de projets et programmes de développement existants. Face à ces constats, l'Assemblée provinciale de Kinshasa dénonce l'opacité dans l'attribution des marchés publics. L'exemple le plus spectaculaire, c'est celui de la réhabilitation du marché central de Kinshasa. Le ministre provincial du plan, budget et voies de communication a croisé des députés provinciaux autour de cette question. Autre préoccupation, c'est l'instauration de la taxe de stationnement dans une ville où il n'y a pas de parking et à la limite des parkings pirates. Comment expliquer l'existence d'une taxe de stationnement? Dans quel compte cette taxe est-elle logée? L'Assemblée provinciale a entendu la ministre provinciale de la Santé sur la survenue de la variole des singes. Question, existe-t-il des précautions pour épargner la population face à cette épidémie? C'est dans ce contexte que la plénière a déclaré recevable deux propositions d'édit sur la création d'un fonds d'appui au secteur agricole et des répartitions des recettes à caractère national. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a accepté le rapport présenté par la commission politique, administrative et juridique. Le deuxième suppléant de Jekoko Mulumba a été proclamé député provincial pour remplacer celui-ci, devenu vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Et puis dans le cadre de la mise en œuvre du second partenariat entre la RDC et l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale, le secrétariat général du FONARED vient de mettre à la disposition des sous-missionnaires au projet toutes les informations sur l'appel à la manifestation d'intérêt. Le secrétariat du Fonds national RED+, celui d'ICAFI, vient de présenter les informations sur l'appel à manifestation d'intérêt pour la mise en œuvre du second partenariat entre la République démocratique du Congo et l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, CAFI. Cet atelier permet d'avoir un dialogue constructif et assurer une compréhension commune entre les parties prenantes pour ces fonds de 500 millions de dollars américains. La grande innovation de ce deuxième
partenariat qui est crucial pour nous parce qu'une des leçons tirées du premier partenariat, c'était qu'il n'y avait pas suffisamment d'appropriation nationale, pas suffisamment de redevabilité des agents d'exécution envers le gouvernement, envers CAFI, mais envers les populations bénéficiaires. Les soumissionnaires des projets doivent se focaliser sur les 8 piliers thématiques dont la forêt, agriculture, énergie, foncier, gouvernance, aménagement du territoire, démographie, industrie extractive. Maintenant, on a lancé cet appel à manifestation d'intérêt qui permet à ce que tous les soumissionnaires, aussi bien les ONG nationales que les ONG internationales et aussi les agences des Nations Unies accréditées puissent, n'est-ce pas, soumettre leurs propositions de projet. Que les organisations locales puissent se mettre au travail, bien lire l'appel tel qu'il a été libellé et aussi postuler. C'est vraiment ça l'attente que nous avons. La vice-primature, ministère de l'Environnement et le Développement Durable et le ministère des Finances appellent les parties prenantes à soumettre leurs notes conceptuelles jusqu'au 29 juillet 2022, date de clôture. La structure Emmanuel Ndikaï en action, elle vient de doter les orphelins du centre d'hébergement CEMAPAR et les personnes du troisième âge du home des vieillards de Kintambo, des dons de vivre et non vivre, un geste qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée internationale de l'enfant africain. Iverson Kaboba. En marge de la célébration de la journée de l'enfant africain, chaque 16 juin, en souvenir du massacre des centaines d'enfants lors d'une marche des écoliers à Soweto en Afrique du Sud, la structure Emmanuel Mbikaï s'est rendue dans le centre d'hébergement des enfants orphelins CEMAPAR, dans la commune de Selembao, où elle a assisté ses enfants avec vivre et non vivre. Un geste qui symbolise la solidarité envers ses enfants orphelins, selon le représentant de l'association Claude Kamango. Cette délégation s'est rendue également dans le home des vieillards des sœurs franciscaines de Marie. Même geste posé en faveur de personnes du troisième âge dans la commune d'Engalema. Elles ont reçu un lot important de vivres composé de sacs de riz, un élan de compassion qui redonne aussi le sourire à ces personnes de troisième âge. Ces dernières ont remercié Emmanuel Mbikaï en affirmant que ces gestes de générosité viennent une fois de plus remonter leur morale. Collecter les données sur la protection sociale à travers différents territoires et secteurs de la RDC, c'est dans ce sens qu'une communication a été faite par Mme Alice Miremo, directrice générale du Fonds national pour la promotion du service social à l'intention des chefs des divisions provinciales. C'était lors d'une réunion de recadrage. Redépenda. Après la réunion avec le ministre des Affaires sociales, Modeste Mutinga Mutushai, le directeur général du Fonds national pour la promotion et les services sociaux, Maître Alice Miremo, a réuni les chefs de divisions urbaines des affaires sociales et leurs chefs de bureau des provinces à travers la visioconférence. Objectif, récolter les données sur la protection sociale à travers différents territoires et secteurs de la RDC. Le FNPSS est cet instrument du gouvernement pour appuyer son action sociale et servir de banque sociale pour aider la population à sortir de la précarité. Et donc, les réflexions sont en cours. Il y a l'assistance technique de la firme Ernest & Young qui est en cours. Avant que son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires sociales, puisse présenter les documents de politique nationale de protection sociale au gouvernement, il a été exigé par le ministère du Plan à travers l'Institut national de la statistique que nous puissions d'abord faire une collecte des données en respectant la méthodologie qu'ils ont validée pour que ce document respecte les aspects scientifiques de tout document de politique et de programmation du gouvernement. Maître Alice Miremo a par la suite demandé aux participants de tout mettre en œuvre pour la réussite des compositions de la politique nationale du Fonds national de promotion et des services sociaux. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure à 20h sans anecdote tabou. D'ici là, prenez soin de vous et très bonne soirée.